Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous matinal. Joie, peur, colère ou tristesse, les émotions font partie de la vie de tous les jours. Pourtant, il n'est pas toujours facile de pouvoir les gérer suivant le tempérament de chacun. Les émotions peuvent être vécues avec une telle intensité qu'elles finissent par vous submerger au risque, parfois, de vous retrouver dans des situations inconfortables. Comment travailler la gestion des émotions? Comment les exprimer ou les identifier? Ce sont les interrogations au cœur de notre matinale. Vous avez également la possibilité de réagir au sujet du jour en nous appelant directement sur le 98 80 93 71 ou en laissant vos messages sur le 55 01 82 91 pour nous dire l'émotion que vous avez du mal à maîtriser ou comment vous vous y prenez. Déjà installés sur ce plateau, trois invités, nous allons, quelques-uns vont nous rejoindre d'un instant à l'autre, mais déjà il y a coach Amédée Kpozé Atolu, vous êtes coach vice-présidente de la Fédération africaine de coaching Session Bénin. Bonjour coach et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté. Bonjour. Émeric Okupeli. Bonjour Alain Tramand, bonjour aux amis téléspectateurs. Il y a également sur ce plateau Eskil Kwazoumé, il est journaliste et coach sportif. Bonjour coach. Bonjour, bonjour le plateau et bonjour téléspectateurs. Téléspectateurs, en effet. Oui. Merci à tous. Et Émeric, c'est quoi les émotions selon vous? Ok, merci et Alain Tramand. Quand on parle, il faut dire que quand on parle d'émotions, c'est d'abord un état affectif qui peut être un plaisir ou une douleur. Donc quand on parle d'émotion, c'est ce que vous ressentez de façon profonde, c'est ce sentiment que vous avez à l'intérieur, mais il faut dire que quand on parle d'émotion, ce n'est pas forcément... C'est vrai que ça fait partie du sentiment, mais ce n'est pas forcément un sentiment, puisqu'il y a une différence entre l'émotion et le sentiment. Et quand on parle d'émotion, il faut dire qu'il y a des émotions positives, il y a également des émotions négatives que nous aurons le temps de détailler, d'énumérer tout à l'heure. Sur ce plateau. Oui. Monsieur Eskil? Oui, juste ajouter. Émotion, oui. Ajouter à ce qu'il vient de dire, émotion, c'est... une agitation passagère, n'est-ce pas, qui a pour cause, voyez-vous, un sentiment vif de peur, de tristesse, de joie, de quoi encore, de tout ce qui nous anime, voyez-vous, peut-être qu'il a dit, il y a différents types d'émotions. Nous aurons le temps, n'est-ce pas, de revenir pour faire comprendre aux téléspectateurs que chaque individu vit différemment ses émotions et chaque individu est émotif. On ne peut pas vivre sans les émotions. Coach Amédée, j'ai cité dans mon introduction quelques émotions, notamment la peur, la tristesse, la colère. Est-ce qu'il y en a d'autres? Évidemment, il y a comme classification des émotions, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la peur, il y a la surprise, il y a le dégoût, il y a la colère aussi. On peut citer comme émotion que nous ressentons tous les jours. Sans oublier le mépris. Sans oublier également le mépris qui s'ajoute, évidemment. Et il faut reconnaître que c'est des états d'esprit que nous avons tout le temps, pratiquement toute la journée, à chaque instant, puisque nous avons des situations que nous gérons dans les 24 heures, continuellement. Donc, c'est un sujet vraiment sensible et il faudrait pouvoir s'y pencher véritablement pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre comment faire pour gérer leurs émotions. Quand on parle de gestion des émotions, vous avez commencé par l'évoquer, il s'agit de quoi ? Maîtriser ses émotions, pouvoir les éviter. Qu'est-ce qu'on met véritablement dans la gestion? Merci. Parlons de la gestion des émotions. Si on devrait s'y pencher et énumérer les aptitudes qu'il faut se donner pour gérer les émotions,
Je vais d'abord commencer par le renoncement à son moi. Je parle d'expérience parce que l'expérience parle mieux que la compétence. Allez-y. Dit-on souvent. Pour gérer ses, arriver à gérer convenablement ses émotions, il faut renoncer à son moi. Il faut tuer le moi en soi. Pourquoi? Parce que toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, nos réactions partent d'abord de notre ego. Quand quelqu'un a une réaction négative vis-à-vis de toi, je prends l'exemple d'une personne qui te manifeste du mépris. Si, à l'instant, tu devrais tenir compte de la négativité qui ressort de l'attitude de cette personne à ton endroit et que tu ne devais pas taire ton moi, tu serais enclin à avoir des réactions qui peuvent te porter préjudice à toi-même. Donc, quand vous travaillez votre moi, il y a certaines personnes qui ont leur moi qui est tellement développé que la moindre situation les affecte. Et ils sont tellement émotifs, ils n'arrivent pas à se contrôler, ils se mettent dans tous les états. Et finalement, c'est eux-mêmes qui en pâtissent. Donc, il faut d'abord, au préalable, travailler son moi. Et c'est tout un processus qu'il faut suivre. Ça ne vient pas du jour au lendemain, puisque le moi est en nous. Il est toujours actif. Il est même proactif. Et c'est ça qui fait notre essence. Donc, il faut pouvoir soi-même travailler sur le moi et arriver à contrôler ses émotions. Maintenant, quand on parle de là, la seconde étape, c'est de soi-même guérir d'abord de ses plaies intérieures. Parce que tout chacun de nous, nous avons emmagasiné depuis déjà le ventre de notre mère. Il y a des enfants qui reçoivent déjà des plaies depuis le ventre de leur mère. Parce que quand la maman ressent une certaine émotion, ici, le fœtus qui est à l'intérieur, automatiquement, subit l'effet négatif. Donc, il y a des enfants qui déjà, depuis le ventre de leur mère, qui ont déjà subi tellement d'émotions négatives en eux, ils ont emmagasiné cela en eux avant de venir sur cette terre. Et l'enfance, l'adolescence, l'étape adulte, quand nous traversons toutes ces étapes, arrivés à un certain niveau, nous avons en nous beaucoup de plaies intérieures qui sont conditionnées par des situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc il faut d'abord soi-même chercher à guérir intérieurement de ces plaies intérieures. Parce que quand vous avez les plaies à l'intérieur, quand la réaction de l'autre vient et tape sur la plaie qui est déjà là, la blessure qui est déjà profonde en vous, votre réaction est beaucoup plus vive. L'émotion est plus vive. Vous avez déjà commencé par dire pourquoi, comment il faut maîtriser ses émotions. Mais Émeric, on va revenir. Quelle est l'émotion que vous n'arrivez pas à maîtriser ou que vous maîtrisez le plus? Ok, avant de revenir peut-être sur la question, il faut quand même qu'on reprécise, je le disais tout à l'heure, que les émotions sont classifiées. Et on parle d'émotions d'abord primaires et des émotions secondaires. Et quand on parle d'émotions primaires, je crois que c'est ce que vient de citer coach. Le coach, c'est on note 6 émotions, c'est-à-dire la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Il y a parfois d'autres qui ajoutent une 7e émotion qu'est le mépris. Donc, quand on cite ces émotions, il faut savoir que c'est des émotions primaires. Maintenant, il y a des émotions secondaires aussi qui sont l'anxiété, l'irritation, l'humeur dépressive, la colère, le vide ou le désespoir. Donc, quand vous rendez compte que toutes ces émotions-là font partie de la vie, font partie de ce que nous sommes. Je crois que tout être humain a de ces émotions-là. Alors, pour revenir à votre question, il y a parfois des émotions qui sont faciles à gérer. Il y a des émotions qu'on a du plaisir à vivre. Il y a des émotions comme qu'on souhaite, qu'on se souhaite. Maintenant, parfois, il y a aussi des émotions qui sont négatives. Il y a des émotions qui font mal, dont la douleur est vive. Donc, personne ne souhaite vivre ces genres d'émotions-là. Tout le monde souhaite vivre des émotions qui sont quand même positives, qui sont quand même agréables à vivre. Donc, parfois, il arrive
que vous vous retrouvez face à certaines situations dont votre émotion, vos sentiments, la maîtrise désertent le forum. Donc, je crois que c'est là surtout quel problème. Il faut dire que ce soit positif ou que ce soit négatif, quand on n'arrive pas à bien gérer cette émotion, ça peut se retourner contre nous. Donc, l'émotion, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, doit être bien gérée. Et pour la gérer, il faut quand même avoir une certaine maturité d'esprit. Il faut avoir quand même une prise de hauteur pour pouvoir dissimuler tout cela. Oui. La question, c'était quelle est l'émotion que vous ne maîtrisez pas souvent? Je crois que l'émotion que je n'arrive pas à maîtriser souvent, c'est la colère. Vous savez que quand on est en colère, c'est un peu difficile quand vous n'avez pas une certaine hauteur d'esprit. Quand vous ne prenez pas de la hauteur. Quand vous ne prenez pas de la hauteur, quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser vous-même, parce que la maîtrise de soi est très importante face à certaines émotions. Donc, quand vous arrivez à vous maîtriser vous-même, vous arrivez à vous en passer des dégâts négatifs de ces émotions-là. Donc, je crois que pour ma part, c'est la colère. La colère, quand je suis colérique, je crois que je n'arrive pas forcément à maîtriser et je n'arrive pas forcément à gérer cette émotion, mais je fais l'effort quand même de prendre de la hauteur et puis d'éviter que ça vous emporte. Exactement. Monsieur Esquil, est-ce que vous partagez la colère également? Oui, je la partage parce que tout compte faire. Tout être humain a des émotions. Et lorsque, face du moins à certaines situations qui vous met en boule, qui vous mettent du moins en boule, que se passe-t-il? On n'arrive pas à se contrôler. Et c'est ce que disait madame, comment se maîtriser, la maîtrise de soi. Oui, en toutes circonstances, il faut devoir se maîtriser. Et la maîtrise de soi fait appel, n'est-ce pas, à notre âme et à notre esprit, parce qu'on ne peut pas se maîtriser sans contrôler, sans combiner l'action de l'esprit et de l'âme. C'est impossible. Donc, c'est l'harmonisation, n'est-ce pas, de l'esprit et de l'âme qui nous permettent de nous maîtriser face à des situations. Et la maîtrise de soi, c'est un travail quotidien, c'est un travail continu. On ne peut jamais être au sommet de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est quotidienne et pour réussir l'émotion qui vous sort de votre gant, il faut devoir les combiner, il faut devoir vivre quotidiennement et se dire et ne pas se laisser surmonter ou surpasser par le moi, comme l'a dit madame. Non, tout homme est né avec émotion et en toutes circonstances, on peut la manifester face à des situations dramatiques ou face à la joie, parce que les émotions de joie, souvent, c'est vrai, c'est ce que nous souhaitons le plus. Oui, personne ne veut se mettre en boule. Non, les émotions de joie, c'est ce que nous souhaitons plus. Qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie? Quel événement pourrait me mettre en joie? Dans quelles conditions dois-je me mettre pour être en joie et créer cette joie-là? Parce que ne profitez seul pas de votre joie, non. Que dois-je faire pour créer la joie autour de nous? Parce que c'est très important. Parce que lorsque vous créez la joie qui rejaillit sur les autres, le retour vous revient. C'est de même, il y a de même lorsque vous créez la colère ou vous créez la tristesse vous revient parce que vous ne vivez que ce que vous ne ressentez que ce que vous avez créé. Donc il faut nécessairement que nous puissions d'abord maîtriser nos émotions. C'est vrai, il nous arrive, n'est-ce pas, de ne pas les maîtriser, c'est vrai, mais tout compte fait, il faut devoir les maîtriser pour être social. Il faut devoir les maîtriser pour vivre en société, parce que quand vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, ce sont les émotions qui vous maîtrisent. Alors là, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut nécessairement faire cet exercice. Comme je l'ai dit, c'est quotidien. Personne ne peut me dire qu'il arrive à maîtriser. Non, jamais. C'est quotidien. Et pour maîtriser peut-être la colère, l'émotion de nervosité, quand vous vous sentez dans une situation de nervosité, il y a deux choses à faire. Vous quittez l'endroit ou carrément
Il faut vous taire. Et se taire, c'est-à-dire maîtrise la, ce qui, c'est là où intervient la maîtrise de soi. Est-ce que c'est si facile que ça? Oui, ce n'est pas facile. C'est vrai, c'est pour dire que c'est quotidien. Il faut, en fait, il y a un exercice. Le premier exercice à faire, il faut se répéter. Il faut le répéter peut-être chaque matin quand on se dit, je ne vais plus m'énerver. C'est un exercice quotidien. Répéter, oui, après la prière, je dis, je ne vais plus m'énerver. Oui. Je veux juste avoir des situations de joie. Oui. Parce que c'est ce que vous projetez qui vous arrive. C'est ce que vous pensez qui vous arrive. C'est ce que vous vivez qui vous arrive. Donc, la positivité est de mise. La positivité doit être quotidienne. Il faut se dire, je veux ça, je désire ça. Et en dehors de tout ça, dégagez la positivité à travers vos propos, à travers vos actes, à travers tout ce que vous allez poser comme acte. Parce que Dieu a dit, la bouche doit servir à bénir. Donc, quand vous bénissez, quand vous êtes positive, les bonnes choses arrivent et créez une émotion positive en vous. D'accord. Et qui réjaillit par la suite autour de vous. Comment mieux gérer les émotions? C'est le sujet de ce matin. On prend une pause et on revient dans un instant. Nous sommes de retour en plateau pour poursuivre la discussion sur comment mieux gérer nos émotions. Coach Amédée, comment identifier ces émotions? Comment savoir que nous vivons telle émotion? Il faut dire que l'émotion naît d'abord de l'intérieur. Et ça se matérialise par la réaction que nous avons à qui est visible à l'extérieur. Donc, dès l'instant que vous voyez déjà la manifestation, il y a certaines personnes, quand ils reçoivent peut-être une mauvaise nouvelle, ils peuvent commencer à suer. Transpirer. Transpirer, oui. Ils peuvent être déboussolés. Ils n'arrivent pas à se maîtriser, ils sont dans tous les états. Donc quand c'est comme ça, vous sentez que l'émotion est là. Et l'émotion est conditionnée par la situation extérieure que vous vivez. Donc c'est la situation qui vient vers vous, qui tombe brusquement sur vous. Parce que les émotions, en fait, ce n'est pas des choses qui sont déjà conditionnées à l'avance. Mais elles sont en nous. Et elles se réveillent quand la situation est là. Et c'est cette situation qui met le déclic pour que la manifestation visible de l'émotion soit effective. Donc, je dirais que pour vraiment identifier une personne qui est émotive, il faut observer la personne. Il faut pouvoir l'analyser. Il faut pouvoir comprendre la réaction qu'elle a à chaque fois qu'il y a une situation donnée. Donc, quand vous arrivez à réussir ce travail, quand vous avez en face de vous des personnes, parce qu'il y en a qui ont été à l'école, qui sont des diplômés et qui sont experts pour mettre les autres dans tous leurs états. Des personnes qui sont tellement, excusez-moi, mais ces personnes sont tellement négatives à l'intérieur qu'elles ont le potentiel de faire mal aux autres. C'est ça leur manger, c'est ça leur boire. Et vous devez comprendre que tous les jours de votre vie, vous aurez en face de vous ce type de personnes. Et donc ça ne sert à rien de ne pas pouvoir identifier ces personnes-là et vous préparer à l'avance à la réaction qu'il faut avoir. Parce que quand vous arrivez à faire ce travail sur vous-même et que vous identifiez exactement ce type de personnes, comment elles réagissent, parce qu'il faut comprendre qu'elles ont beau faire du mal aux autres par leur attitude, mais c'est des malades qui s'ignorent. C'est des personnes qui sont malades à l'intérieur en réalité. Et donc quand vous comprenez ça et que vous identifiez leur mode de fonctionnement, comment elles agissent, comment elles se comportent vis-à-vis des autres, vous êtes déjà préparé psychologiquement, vous êtes déjà aguerri et vous n'arrivez plus à tomber dans le cycle infernal de la dégénérescence qui naît quand l'émotion n'est pas contrôlée.
Vous avez parlé de la personne qui reçoit peut-être, selon la situation, qui reçoit une nouvelle ou qui est dans une situation qui déclenche ses émotions. Mais la personne elle-même, est-ce qu'il n'y a pas des émotions qu'elle vit sans que ce ne soit déclenché par une personne ou une situation, Émeric? Il faut dire qu'il n'y a pas d'émotion sans une situation. Vous mettez dans une certaine, ou bien vous avez certaines émotions quand vous êtes en face d'une situation. Mm-hmm. Et la situation peut être une situation de joie ou que ce soit une situation de douleur, comme l'a dit le coach tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'émotion sans situation. Alors, face à cette situation, et c'est ce qu'elle vient de dire, comment vous arrivez et comment il faut pouvoir identifier ce genre d'émotion? Parce que tout le monde n'arrive pas forcément à identifier l'émotion qu'il a. Et parfois, cela est perceptible. Hein, quand vous vous retrouvez dans certaines situations, comme par exemple quelqu'un qui a perdu un proche. Oui. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que parfois on dit même que il faut pas lui annoncer la nouvelle compte tenu de la façon dont il gère ses émotions. Donc cette personne-là peut se mettre tout de suite dans un état qui peut se retourner contre lui. Donc on a toujours tendance à pouvoir identifier la personne dont on a en face pour pouvoir lui annoncer cette nouvelle pour que l'émotion qu'elle peut ressentir ne se retourne pas contre elle. Donc, je crois que chacun a sa manière de gérer ses émotions, de réagir face à ces émotions-là. Et parfois, la réaction peut être, en tout cas, peut nous causer des dommages, et c'est ce que nous déplorons souvent. Parlant de dommages, monsieur Esquil, pourquoi c'est important de gérer ses émotions? Oui, il est très important de gérer ses émotions parce que lorsque vous avez une situation triste, ouais, qui vous attriste du moins, alors votre réaction juste après la mauvaise nouvelle, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, à vous maîtriser, c'est sûr que c'est vous qui allez hausser le ton, c'est vous qui allez commencer par pleurer, c'est vous qui allez commencer par dire du n'importe quoi. Or, tout ce qui est dit est déjà dit. Donc, il faut tout faire pour pouvoir se maîtriser, il faut tout faire pour pouvoir se dire, mais avoir le contrôle de soi pour ne pas dire du n'importe quoi, pour ne pas faire du n'importe quoi et plus tard regretter. Et moi, je voudrais aller dans le sens de la joie parce que moi, j'adore la joie. Oui, mais il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que des émotions positives. Oui, justement. Non, mais, oui, parce que jusque-là, nous n'avions parlé que des de la tristesse. Moi, je dis, mais écoutez, on ne peut pas vivre sans la joie. Si vous n'avez pas la joie, vous ne vivez pas. Alors, il y a des émotions de joie. Moi, j'aurais voulu qu'on en parle. Qu'est-ce qui nous procure la joie autour de nous? Que faut-il faire d'abord pour se procurer la joie? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous donnez que ce que vous avez. Si vous avez la joie, vous allez donner la joie par le sourire, par vos actes, par vos propos, par tout ce que vous allez faire, transparaîtra, n'est-ce pas, la joie. Alors, un simple exemple, le fait de voir une femme qui est en beauté, très belle, je vous dis, madame, vous êtes en beauté, vous avez une démarche de panthère, vous avez des yeux revolver. Quand je dis ça à une femme, elle sourit. Exactement. C'est déjà, n'est-ce pas, une façon de transmettre cette émotion, de lui procurer cette joie-là. Parce que la joie, on ne va pas l'acheter n'importe où. Ça ne s'achète même pas. Ça se procure. Et c'est tous ceux qui vous entourent, qui vous procurent cette joie-là. Donc, nous devons nous atteler, n'est-ce pas, à créer des émotions positives et à supporter les émotions négatives. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la tristesse. La tristesse, parfois, les émotions négatives nous amènent, n'est-ce pas, à nous corriger. Nous amènent, n'est-ce pas, à se redresser. Donc, on ne peut jamais vivre sans les émotions tristes. Mais de l'autre côté, que pourrions-nous faire pour créer cette émotion positive, pour vivre dans cette émotion positive, pouvant nous permettre de nous connaître, pouvant nous permettre de créer la joie à tous ceux qui sont autour de nous, pouvant nous permettre d'aller de l'avant, parce que lorsque vous avez de l'émotion positive, que se passe-t-il? Les portes s'ouvrent à vous.
les choses viennent à vous. Au lieu d'aller chercher les choses, elles viennent à vous. Et lorsque vous avez l'émotion positive, que se passe-t-il? Vous gardez toujours le sourire, même devant des situations qui critiquent, parce que pendant que les gens pleurent, vous allez sourire, parce que vous connaissez déjà la cause de ce qui arrive. Vous êtes en harmonie avec votre esprit, avec votre corps, avec votre âme, et c'est sûr que vous faites un. Et quand on fait un, imaginez la suite. Coach Amédé, vous est-il déjà arrivé une situation dans laquelle vous n'avez pas pu maîtriser vos émotions? Merci. C'est vrai, nous vivons avec les émotions tous les jours. Et personnellement, j'ai été sujette à tellement de situations extérieures, négatives, que j'ai appris à me forger un mental d'acier. Et quand j'ai en face de moi des personnes qui ont une certaine attitude, un certain comportement, qui pourrait m'amener à ressentir des émotions négatives, vives. Je préfère en rire. Je préfère en rire parce que je me dis, à l'instant là, que j'ai en face de moi quelqu'un qui est malade. Et je l'ai dit tantôt, le psychologue l'a dit tout à l'heure. Non, monsieur, est-ce qu'il n'est pas monsieur psychologue? Il est journaliste. Okay. Monsieur, est-ce qu'il l'a dit tout à l'heure? Il disait, il faudrait qu'il y ait une harmonie entre l'âme, le corps et le corps. L'esprit. Donc, quand vous arrivez à développer cette harmonie d'abord en vous-même, à l'intérieur, et c'est ce que moi, je m'efforce de faire tous les jours. Et j'ai une attitude que j'adopte quand j'ai en face de moi quelqu'un qui veut m'amener à vivre des émotions négatives. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ai mon portable en main, je me contente juste de mettre la musique, de mettre les écouteurs à l'oreille. Et puis c'est parti. Et je laisse passer l'émotion. Et même quand la personne est en face de moi, qu'elle continue de crier, de jaser, de faire tout son show, je suis là tranquille, j'écoute ma musique et je me mets à sourire. Et cette personne ne comprend pas, elle est plus énervée, elle ne sait pas que moi, c'est ma manière à moi d'évacuer en fait ce qu'elle veut me transmettre de négatif. Parce que moi, je ne veux pas vivre cette émotion-là. Je ne veux pas ressentir cette douleur-là en moi. Et le drame, c'est que au fur et à mesure que vous accumulez ces expériences négatives en vous, vous vous endommagez déjà votre système cérébral, parce que c'est pour finir après avec des caillots dans le cerveau. C'est pour finir avec un AVC qui va vous paralyser à vie. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas en arriver là. Donc, j'ai appris. C'est un travail que j'ai fait sur ma personne. Avant ce travail-là, est-ce qu'il y avait des émotions? Oui, il y avait des émotions. Oui. Il y avait des émotions très fortes. Et j'avoue que j'en ai tellement reçu qu'à un moment donné, je me suis dit, mais assez, c'est assez. Il faut que maintenant, ce soit l'inverse. Il faudrait que, à partir de cet instant-là, que ce soit plutôt les autres qui développent leurs émotions négatives. Je ne vais plus permettre à qui que ce soit, parce que mon cœur n'est pas une poubelle. Mon âme, ce n'est pas une poubelle où n'importe qui peut venir y jeter ce qu'elle veut et partir. Je n'accepte plus ça. Voilà. Donc, chaque jour, à chaque instant, je travaille sur moi-même. Et je me dis, quelle que soit la situation que j'ai en face de moi, quelle que soit l'attitude que la personne aura, je dis, mais non, mais attends, moi je veux vivre très très longtemps. Et je veux vivre dans la joie, je veux vivre dans l'harmonie, je ne veux que du positif autour de moi. Je ne veux que l'enjaillement, comme le disent les Ivoiriens, je veux être tout le temps enjaillé. Et donc moi je prends mes dispositions, je ne me laisse pas contrôler par les émotions négatives des autres qu'ils veulent me transmettre. Alors, quand j'entends ça, à la descente du plateau tout à l'heure, je vais vous provoquer dans les couloirs. Pour mieux comprendre la réaction, voir si elle dit vrai. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Fédération africaine de coaching et donc vous venez en appui à d'autres personnes. Ça veut dire que vous avez pris le temps de guérir, de travailler sur vous-même. L'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos téléspectateurs
leaders comment travailler sur eux-mêmes pour arriver à gérer leurs émotions. Émeric, pour vous, qu'est-ce que ça fait quand on n'arrive pas à gérer ses émotions? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'émotions, c'est d'abord les émotions négatives, il y a des émotions positives également. Et je dis que c'est vrai que ce que nous souhaitons tous, ce sont les émotions positives. Oui. Voilà, maintenant, quand vous vous retrouvez face aussi aux émotions positives, cela, si c'est mal géré, peuvent se retourner encore contre vous. Je prends le simple exemple qu'a donné Esquil tout à l'heure en parlant de la joie. Je crois que qui n'aime pas être joyeux? On aime tous cette joie, seulement que quand il y a la joie, il y a aussi de la tristesse. Et c'est ça qui fait l'équilibre de la vie. Alors, quand vous vous retrouvez face à certaines situations de joie, vous pouvez encore, ça peut vous créer encore d'autres dommages. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est même légion, où vous entendez que des jeunes qui ont appris leur succès au bac, en tout cas, qui n'ont pas pu gérer leurs émotions, perdent la vie en cours de route, le temps du centre pour la maison. Donc, je crois que c'est un exemple parmi tant d'autres, où parfois vous êtes en situation de joie, mais quand vous n'arrivez pas à vous contenir, à vous maîtriser, ça peut dégénérer, ça peut créer d'autres dommages. Donc, d'où la maîtrise de soi qu'on est en train de dire sur ce plateau est très important. Il faut savoir se connaître soi-même, savoir se maîtriser. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est toute une étape, c'est un processus pour arriver à une maîtrise de soi, comme la coach vient de le dire tout à l'heure. Donc, je crois que si vous n'avez pas cette maîtrise de soi, ça vous est difficile, que ce soit dans les émotions négatives, que ce soit dans les émotions positives. Si vous n'avez pas cette maîtrise de soi, vous pouvez tout de suite passer à côté. Donc, je crois que quand on parle de la joie, c'est tout ce que nous souhaitons, mais à côté de la joie, parfois, est-ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce que vous donnez que vous recevez. Ah, ouais. Vous savez, les émotions aussi sont contagieuses. Quand vous vous mettez à côté des gens qui sont tout le temps tristes, qui ont l'air tout le temps tristes, vous êtes aussi triste. Quand vous vous mettez à côté des gens qui ne vivent que de douleur, qui ne vivent que de la haine, de la dépression, voilà, vous, jalousie, oui, voilà, vous avez tendance aussi à partager ces émotions-là avec eux de façon involontaire, de façon inconsciente. Donc, je crois que c'est ce que vous donnez que vous recevez, et c'est pourquoi on dit qu'il faut se mettre à côté des gens qui sont positifs, des gens qui partagent la positivité. Et dès que vous mettez à côté de ces gens, même quand vous avez de la négativité en vous, cette positivité-là, vous contaminez, vous commencez par partager de la positivité. Donc, je crois que c'est très important. Se connaître soi-même, savoir maîtriser ses émotions et aussi connaître, comment dit-on, et c'est ça, se connaître pour pouvoir savoir comment réagir face à chaque situation. Il y a aussi une émotion que moi, que j'aime beaucoup ressentir, c'est la fierté. Quand vous êtes face à une situation qui vous rend fier, je crois que ça fait partie de ces émotions-là aussi que je partage et que je me dis que bon, rien ne vaut la fierté. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez face à certaines situations où vous vous rendez, vous êtes fier, vous êtes animatrice de cette émission. C'est une fierté pour vos parents qui vous suivent actuellement, qui ont peut-être toujours rêvé que leur fille soit en face d'une caméra aujourd'hui et qui parle à tout un monde. Je crois que vous-même, vous en êtes fier, vous souriez d'ailleurs. Donc, c'est ça une émotion également. Donc, je crois que en dehors de la joie, de la colère, de la douleur, de tout ce que nous savons, il y a quand même aussi des émotions que nous dégageons, que peut-être que nous ne savons pas. Voilà. Ouais. Monsieur Esquil, Émeric a pris l'extrême quand il a donné l'exemple de la joie qui pourrait non contrôler vous amener peut-être à la perte de la vie. Mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences qui peuvent découler de la non-maîtrise des émotions? Oui, il y en a plusieurs en dehors de l'extrême dont il vient de parler. Le fait de ne pas se contrôler peut vous amener à parler mal, à servir des propos déplacés, des propos injurieux à l'encontre d'une personne. Et c'est ce à quoi il faut toujours
lutter. Parce que, en fait, les émotions négatives nous emportent vite et très vite. Oui, nous emportent vite, très vite. Mais on pose l'acte et c'est plus tard, on se dit, mais on regrette. Je n'en ai pas dû. Donc, ça voudrait dire que, c'est pourquoi je dis, il y a un travail quotidien à faire. Oui, ça nous apporte très vite et plus tard, on se dit, mais si je savais. Donc, le travail est quotidien, le travail est permanent. Et ce travail, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce travail, la nature nous amène parfois à... La nature nous teste, voilà. La nature nous teste parfois. Elle dit, mais je vais lui envoyer cette situation, voir comment et va-t-il s'en sortir. Donc, devant, face à des situations pareilles, la maîtrise de soi est primordiale. Face à des situations pareilles, il faut se dire, mais qui suis-je? C'est très important. Qui suis-je? Que dois-je faire? Et l'une des solutions que j'avais données tout à l'heure, c'est peut-être quitter l'endroit. Et madame m'a dit tout à l'heure, elle met ses écouteurs, son appareil. Et puis, donc, il y a plusieurs façons, n'est-ce pas? De maîtriser, n'est-ce pas, ces émotions lorsque... Elle est négative. Vous quittez, comment on l'appelle, quittez l'endroit où sortez carrément. Dites à la personne, s'il te plaît, je viens. Je vais vous raconter une histoire à titre anecdotique. C'est l'une des chansons de Alevi. Il y avait une dame qui avait une coépouse. Et vous avez, excusez-moi, les femmes coépouses, vous savez ce que ça voudrait dire. Donc, il n'y a pas cette journée où il n'y a pas, elle ne s'engueule pas. Et la première dame, la première est allée voir un guérisseur traditionnel pour dire, mais que dois-je faire pour tuer la seconde? Et le guérisseur est allé dans sa chambre, a mis de l'eau dans un bidon et il dit, mais écoute, arrivé à la maison, quand elle va commencer pas à t'engueuler là, remplis l'eau dans ta bouche et ne dis absolument rien jusqu'à ce qu'elle ne finisse de parler. Et arrivé à la maison, la dame, l'autre a commencé, elle dit, ah mais attention, mais j'ai la meilleure solution. Et elle a avalé, elle a pris l'eau. Et l'autre était seule en train de parler comme une folle. Mais tu as l'eau dans la bouche, comment tu peux parler? Non, ce n'est pas possible. Donc, elle s'est tue. Elle est restée comme ça, l'eau dans la bouche. Elle disait, mais elle va mourir tout à l'heure. Mais la dame, elle a parlé durant des heures. La personne ne meurt pas. Et elle s'est tue. Elle est rentrée dans sa chambre et c'est plus tard, elle s'est rendue compte, mais... Mais la solution, ce n'était pas de la tuer. La solution, c'était de me maîtriser. C'était la solution. Ce n'était pas de la tuer, mais c'est de me maîtriser. Donc, voilà des exemples simples qu'on peut prendre pour éviter, n'est-ce pas, d'aller au drame, pour éviter d'aller au pire, pour éviter de ne pas regretter. Parce que quand vous commencez par regretter, d'abord, c'est extrêmement grave. L'émotion de regret est extrêmement grave parce que d'abord, vous dégradez ce qu'il y a en vous comme la positivité. Vous dégradez ce qu'il y a en vous comme de tout ce qui est de positif. Et par conséquent, vous risquez, n'est-ce pas, de quitter le bon chemin et vous retrouver complètement sous tous les escaliers comme ça suit. Donc, il faut nécessairement trouver des astuces pour se maîtriser. Il faut trouver des astuces pour se dire, je ne dois pas me laisser aller. D'accord. Je dois pouvoir maîtriser mes émotions. Je suis le maître de moi-même. Je surveille tout. Et c'est sûr que vous allez devoir rester dans le carnaval pour ne pas être désagréable. Coach Amédé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais préciser que l'émotion part déjà du mental. Merci. C'est très important, le mental que vous faites. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, en fait. Donc, il faut pouvoir arriver à contrôler votre mental. C'est important. Et faire en sorte que votre mental soit au high level. Merci. Comme j'ai l'habitude de le dire. Quand vous développez un mental high level, rien ne vous affecte. Merci. En réalité, c'est parce que votre mental n'est pas au niveau qu'il faut. C'est au background. Le mental est tellement bas que n'importe quel vent contraire peut vous balter. Et puis, quand ça vient comme ça, vous vous laissez aller. Oui. Il faut travailler le mental. Il faut être en mesure de pouvoir se dire, non, c'est un mode de vie que je me donne. Je ne suis pas prête à me laisser faire. Parce que j'ai des objectifs à atteindre. Je suis focus. Je dois aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, vous savez, le corps, c'est la couverture charnelle. Et tout ce que nous avons de grand, de beau, de puissant, c'est à l'intérieur. L'âme, c'est le laboratoire de notre réel moi. Et quand vous laissez votre réel moi
être détruit, c'est que vous détruisez toute votre destinée. Donc vous n'avez pas le droit de laisser vos émotions prendre le contrôle de votre vie au point où vous en arrivez à cette étape-là où vous êtes complètement à terre et vous avez comme l'impression que tout autour de vous bascule. Vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Non, il faut pouvoir travailler son mental. Tout le temps, tout le temps. Quand je prends par exemple une femme à qui un homme a promis le mariage. Et la veille du mariage, le monsieur l'appelle et lui dit, écoute ma chérie, j'ai réfléchi, je crois que là on va en arrêter là. Et puis bon, on arrête le mariage quoi. Alors que tout est déjà préparé. Quelle attitude vous adoptez en ce moment? Si vous n'avez pas un mental... D'acier. Quel que soit le mental. C'est toujours les hommes. Hein. Quel que soit le... Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, je le sais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Mais je dis, quand c'est une femme, par exemple, qui vit cette situation-là, si elle n'a pas appris à se forger un mental à un level, comme je le dis, mais elle va mourir. Merci. Elle va se laisser aller à la dépression. Elle va mourir. C'est pareil pour une femme qui perd son enfant ou qui perd un être cher. Il faut voir. Donc, tous les jours, nous aurons toujours des situations qui vont... faire travailler notre état d'esprit, tout et tout, il faut pouvoir arriver à l'étape où votre mental est tellement fort que rien ne vous ébranle. Mmh. Quelle que soit la situation que vous vivez, rien ne vous ébranle. Il faut dire, ce dont nous parlons, j'avoue que ce n'est pas facile. D'accord, c'est bien de préciser ça parce que les téléspectateurs risquent de vous demander comment ont été vos expériences. C'est facile de dire que de faire. Nous allons prendre une pause avec le mot du jour qui nous parle de sentiments pour installer un autre invité. Bonjour, chers amis téléspectateurs, amis du mot du jour. Aujourd'hui, le mot que nous allons essayer de comprendre pour mieux l'utiliser est le mot sentiment. Ce mot s'appelle comme suit, S-E-N-T-I-M-E-N-T. Sentiment qui vient du verbe sentir est un nom masculin. Ce mot peut être compris dans son premier sens comme connaissance plus ou moins claire, donnée d'une manière immédiate, avoir le sentiment qu'on se trompe. Si on prend le mot sentiment dans ce sens, il aura pour synonyme impression, intuition, pressentiment, sensation. Mais le mot sentiment peut également signifier opinion, avis que l'on a sur quelque chose. Je partage bien votre sentiment sur ce point précis. Synonyme dans ce cas, avis, idée, point de vue, position, vue. Le mot sentiment, au troisième sens, par exemple, peut signifier état affectif complexe et durable, lié à certaines émotions ou représentations, le sentiment religieux par exemple. Et dans ce cadre, il peut avoir comme synonyme esprit, instinct, notion, sens. Le sentiment peut représenter également le penchant bon ou mauvais, avoir des sentiments nobles, disposition à être facilement ému. Cet homme agit trop par sentiment. Et là, comme synonyme, nous pouvons avoir affectivité, sensibilité. Quels sont les contraires dans ce cas? Lorsque nous évoquons affectivité, sensibilité, le contraire renvoie à la froideur, à l'indifférence, à l'insensibilité. Donc quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sentiments, s'il se retrouve dans le champ contraire, peut devenir suffisamment froid, insensible et indifférent. En littérature, le mot sentiment, il convient de le désigner par amour. Partage-t-elle le sentiment que vous avez pour elle pour dire partage-t-elle l'amour que vous avez pour elle? Le synonyme dans ce cas est un attachement, une passion, la tendresse. Quelles sont les expressions que nous pouvons avoir?
L'expression qui me plaît de présenter ici, c'est faire sentiment. Faire du sentiment. Faire du sentiment, c'est se laisser influencer par des aspects affectifs. Et quelles sont les expressions, quelles sont les citations qu'on peut garder quand on veut parler du sentiment? Jean Anouilh nous parle en précisant ceci. Ce sont toujours nos bons sentiments qui nous font faire de vilaines choses. Ce sont toujours nos bons sentiments qui nous font faire de vilaines choses. Pour dire que parfois, en voulant très bien faire, nous nous trompons et le résultat est mal apprécié. Honoré de Balzac, quant à lui, nous dit « Les sentiments nobles poussés à l'absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus graves vices. À vouloir trop bien faire, on peut se retrouver en faisant très gravement mal. » André Gide lui parle de ceci. « Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. » Et là, connaissant André Gide comme auteur phare de la littérature française, on peut reconnaître qu'il parle de l'amour en littérature. Il parle de tendresse, il parle d'affectivité. Je vous laisse avec ces trois citations sur le sentiment. Je vous demande de faire attention à vos sentiments. Merci et à bientôt pour un nouveau mot du jour. Nous en savons un peu plus sur le mot « sentiment » ce matin. Gladys Agégué Soulé Adam nous a également rejoint sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes communicatrice spécialiste en leadership féminin. Tout à fait. Vous avez, avant d'arriver sur ce plateau, vécu des émotions. De grandes émotions, de fortes émotions, comme oui. On a l'habitude de le dire. Oui. En fait, je me suis un peu perdue. Et quand je suis arrivée, il était déjà presque l'heure, donc j'avais commencé à ressentir déjà un peu de stress. Puis, m'étant perdue, je faisais des manœuvres avec la voiture et voilà ma boîte à vitesse qui se bloque. Donc, du coup, je me suis dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Calme-toi, tout ira bien. Oui. J'ai écrit, j'ai laissé la voiture et puis je suis venue à pied. D'accord. Une émotion vécue ce matin. Oui. Ça, j'imagine que c'est très peu face à plusieurs émotions que vous avez eues à vivre dans votre vie. Quelle est l'émotion que vous n'arrivez pas à maîtriser? Que je n'arrivais pas à maîtriser. D'accord. Aujourd'hui, j'y arrive de mieux en mieux. Je vais dire la colère. Ah, tout le monde est unanime sur la colère. C'est la pire des émotions d'ailleurs. Oui. Comment la ça colère. Se passait? C'est le genre de colère qui vous permet de pouvoir tenir toute une nuit à mettre la pression, à crier, à tempêter. C'est-à-dire que ça peut durer très longtemps. Mm. Et vraiment, vous avez du mal à vous contrôler. Vous savez vous-même que vous êtes en train d'exagérer, mais vous avez du mal à vous maîtriser parce qu'à l'intérieur, ça bouillonne, parce que vous avez besoin de faire ressortir ce que vous ressentez. Bref, c'est très désagréable après, mais on n'y arrive pas souvent. Aujourd'hui, j'y arrive de mieux en mieux. Je ne vais pas dire que c'est la perfection, oui. Mais on s'améliore. C'est ça. Votre émotion préférée? La joie, bien sûr. Bien évidemment, comme tout le monde. La joie. Est-il arrivé des situations dans lesquelles l'émotion de la colère que vous n'avez pas pu maîtriser, finalement, a été bénéfique ou positive pour vous? Ça dépend de la manière dont on l'exprime. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, l'émotion en elle-même n'est ni négative ni positive. Vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui se réjouit de la mort d'une autre personne.
et qui vraiment est dans la joie parce qu'une autre personne est décédée. C'est anormal. Et pourtant, c'est ce qu'elle ressent. Donc, l'émotion en elle-même n'est ni négative ni positive. L'émotion est là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est en inadéquation avec ce que nous sommes en train de vivre comme situation. Donc, généralement, la question que moi, je me pose, est-ce que la situation mérite ce que je ressens? Si, par rapport à la situation, ce que je ressens est normal, c'est-à-dire que je ressens de la tristesse parce que j'ai perdu un être cher ou même parce que j'ai perdu de l'argent ou parce que quelqu'un m'a mal parlé, c'est normal. Maintenant, si ma réaction est disproportionnée, c'est là où je peux me poser des questions par rapport à ce que je suis en train de ressentir. Parce que ça va peut-être au-delà de la situation pour aller rejoindre une situation de vie intérieure qui est là et qui doit être forcément gérée. Et si cette situation n'est pas gérée, ça découlera forcément sur ce que j'appelle une bombe à retardement. Ça finira toujours par exploser et au moment inopportun. Oui. Et l'autre question avant votre arrivée sur ce plateau, c'était qu'est-ce qui arrive quand on n'arrive pas à maîtriser ses émotions? Moi, je ne parle pas souvent de maîtrise des émotions parce que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça de se maîtriser parce que nous sommes humains. Et ce qui nous définit avant tout, c'est ça. Ce sont les émotions que nous ressentons. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est un être humain à part entière, qui est capable de compassion, et une autre personne qui est devenue peut-être une personne très belle à l'extérieur parce qu'elle est capable de contrôle sur elle-même, mais qui ne ressent aucune compassion, aucune empathie pour les autres. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est est-ce qu'il faut maîtriser ses émotions? À mon avis, non. C'est vrai qu'il y a besoin de maîtriser la réaction que suscite l'émotion. C'est important de maîtriser la réaction pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas se retrouver dans des situations où de ridicule, où on se ridiculise soi-même. Mais il est important d'interroger l'émotion pour demander à cette émotion, qu'est-ce que tu veux me dire? Comme je dis, est-ce que l'émotion est normale par rapport à ce que vous vivez? Si quelqu'un vous gifle, vous avez mal, vous pleurez, vous êtes triste, c'est normal. Maintenant, si quelqu'un passe à côté de vous, vous dépasse, et que vous suivez cette personne à vive allure au point de vouloir faire un accident, vous l'insultez et tout, là, il faut interroger pourquoi vous êtes comme ça. Simplement peut-être parce qu'on vous a toujours marché dessus et qu'à cette occasion, vous voulez prendre votre revanche, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est d'interroger l'émotion pour savoir si elle est normale. Si elle n'est pas normale, alors qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message? Message, oui. Coach Amédée? Oui, je suis tout à fait d'accord avec madame. Oui, Soulé Adam. Oui. Soulé Adam. Et je vais insister sur le second point que j'avais énuméré avant, c'est la guérison intérieure. La guérison intérieure. En fait, les attitudes que nous avons face aux émotions ne sont conditionnées que par ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous, qui est resté latent, qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été cicatrisé. Et quand c'est déjà là, et que la goutte d'eau qui doit faire déborder la vase vient s'y ajouter, on a une réaction que s'il n'y avait pas les plaies intérieures, on n'aurait pas. C'est là où il faut vraiment travailler sur soi-même. Ça s'impose. Il faut pouvoir identifier toutes les plaies intérieures qu'on a en soi, que ce soit la peur, que ce soit la haine, la jalousie, la colère, l'animosité, l'amertume. C'est des plaies qui vous détruisent lentement mais dangereusement. Donc il faut pouvoir travailler à ce niveau-là pour être en mesure moi je dirais maîtriser. Parce que quand vous arrivez à guérir complètement, vous avez la maîtrise de vous-même. Et tout part de là. Dès que vous arrivez à vous maîtriser, vous n'êtes plus ballotté par tout vent contraire. Et rien ne vous tombe dessus que vous subissez et qui vous amène à avoir des attitudes que vous ne devez pas normalement avoir. Est-ce qu'on devrait avoir du mal à exprimer ses émotions?
numérique? En principe, non. On ne devrait pas du mal à... vous savez, il y a des gens qui sont... Il y a des gens dont peut-être que nous rencontrons, que nous n'arrivons forcément pas à détecter leurs émotions. Il y a des gens qui sont... Même quand ils sont en joie, vous ne le savez jamais. Même quand ils sont en colère, vous n'arrivez pas à les identifier. Oui. Donc, il y a de ces gens-là qui, peu importe l'émotion qu'ils ont, on a du mal à les décrire en eux. Donc, je crois que c'est des gens qui ont peut-être ont été forgés. Des gens qui ont été, en tout cas, qui ont traversé certaines étapes de leur vie au point où ils se sont dit, ils ont conclu qu'en réalité, la maîtrise de soi est très importante en toute situation. Donc, que ce soit des émotions de joie, que ce soit des émotions de tristesse, je crois que tout revient à une maîtrise de soi. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand la maîtrise de soi disait le forum, je crois que même l'émotion de joie, ou que vous pensez que ce soit une émotion de joie, peut se transformer en émotion de tristesse tout à l'heure. Donc, il faut savoir se canaliser en toute situation. Se canaliser, prendre de la hauteur. Et je crois que... Nous allons recevoir le psychologue Fidèle Rombou d'un instant à l'autre. Oui, Émeric, allez-y. Oui, je crois que en toute situation, il faut savoir... avoir une maîtrise de soi. Et c'est quand vous arrivez à franchir cette étape que rien ne vous déplaît. Aucune situation ne vous transporte plus. Aucune situation ne vous rend plus de façon négative. Donc, je crois que c'est d'autant plus important aujourd'hui, surtout quand on parle de... Fidèle Envoué en ligne, je crois. Monsieur Envoué, bonjour. Bonjour, Madame Alila. Comment vous portez-vous? Je vais bien, merci. Oui, merci d'avoir accepté nous rejoindre sur ce plateau pour parler de la gestion des émotions. Je rappelle que vous êtes psychologue. Quand on parle d'émotions, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Une émotion, c'est une réaction exprimée de façon authentique et spontanée face à un événement précis qui vient de se produire ici et maintenant. D'accord. Donc, quand on consulte le dictionnaire Petit Robert, on définit l'émotion comme une réaction affective. Vous m'entendez? Oui, ce serait bien que vous puissiez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir un peu. Je disais donc que quand on se concentre par exemple sur la définition donnée par le Petit Robert, émotion signifie réaction affective. En général, intense, se manifestant par divers troubles, surtout d'ordre neurovégétatif. Donc, une émotion, c'est une réaction qu'on peut avoir ici et maintenant face à un événement précis qui s'est produit. Parmi les émotions, on a cité sur ce plateau la peur, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût et autres. Madame Soulé a également parlé du stress en racontant ce matin ce qu'elle a eu en venant sur ce plateau. Est-ce que le stress fait partie des émotions? Le stress est un ensemble de réactions face à une situation stressante. On parle de l'agent stresseur. Quand je suis face à un agent stresseur, je ressens un ensemble d'émotions, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre le stress en bloc comme une émotion, mais un ensemble d'émotions qu'on éprouve suite à la rencontre d'un événement stressant, d'un agent stressant, d'un agent traumatisant. Je suppose que vous êtes là, et tout de suite, un lion fonce droit sur vous. Tout de suite, vous allez ressentir quoi? La peur. De la peur. Après, vous allez sentir perdre tout votre équilibre. Si vous êtes sûr que vous êtes capable d'affronter le lion, vous allez évaluer. Et tout à l'évaluation, vous allez baisser le stress. Mais la peur que vous avez eue tout à l'heure peut être mêlée à de la colère. Vous pouvez devenir triste automatiquement et apathique, passive. Vous êtes incapable de réagir face au lion. On dira que vous êtes stressé. Donc, le stress renvoie à un ensemble d'émotions qui s'enchaînent et qui paralysent l'individu.
Mais le stress n'est pas égal à une seule émotion. D'accord. D'où on ne saurait dire que le stress est une émotion, mais c'est un ensemble de réactions suite à la rencontre d'un événement stressant. Oui. Selon les émotions, qu'est-ce que cela crée et quelle est la conséquence ou comment ça affecte, voilà, comment ça affecte l'être humain? Comment les émotions affectent l'être humain? Oui. Le processus, vous voulez comprendre alors le processus des émotions? C'est un peu cela. Oui, c'est ça. Bien. Supposons là que je trébuche dans la rue. Quand je trébuche dans la rue, il est approprié de sentir de la peur. Mm. Mais c'est quoi la peur? Cela va de la simple peur, par exemple, car je viens de rater une marche, à l'état de panique, car je suis sous un bombardement, en passant par une crainte, l'appréhension, la confusion ou l'angoisse. Donc comment fonctionnent les émotions? Toute émotion renvoie à un élément visible ou à un élément logé dans mon psychisme. Vous savez qu'au niveau du psychisme, nous parlons par exemple du conscient, du préconscient et de l'inconscient. Oui. Donc, je peux avoir un événement à l'esprit tout de suite qui provoque chez moi la joie. L'émotion que j'éprouve est liée donc à un événement. Mais il serait faux de dire que les émotions naissent directement. Il y a un psychologue qui s'appelle Aaron Beck. Il a démontré en fait que les émotions apparaissent non pas liées à l'événement. En fait, un événement est neutre en soi. Et l'émotion que j'exprime suite à l'événement est liée plutôt à l'interprétation que je fais de l'événement. D'accord. Donc, vous êtes là, un beau matin, et je passe, je vous dis bonjour. Vous ne répondez pas. Mais cela ne m'affecte pas. Et un autre jour, je passe, je vous dis bonjour, vous ne répondez pas. Et cela m'affecte gravement, au point où je vous donne une paire de gifles. Ça, c'est sérieux. Pourquoi est-ce que, au prime abord, au premier jour, je n'ai pas été affecté? Parce que peut-être le fait que vous n'avez pas répondu, je n'en ai pas donné une interprétation qui affecte mon équilibre. Oui. Mais ce jour-là, je l'ai salué, en second lieu, vous n'avez pas répondu. Peut-être que mon épouse, le matin, m'avait fait la même chose et m'avait injurié. Et je portais en moi déjà cet événement qui m'a traumatisé. Oui. Donc, lorsque vous avez repris la même chose, ça me rappelle et j'interprète comme voilà un deuxième événement le même matin. Mon interprétation me met en colère. Je sens une révolte qui va se manifester par une agressivité sur vous. Là, ce n'est pas l'événement de ne pas me saluer en retour qui m'a affecté, qui m'a conduit à la colère. Non. C'est plutôt l'interprétation que je fais de l'événement. Il y a un livre qui le traduit très bien de l'auteur qu'on appelle Olympe Delicunum, dans lequel Monsieur Haruna, le personnage Haruna, a tué Dame Kéou. Pourquoi? Parce qu'il est parti de chez lui pour avoir été accusé de jaloux par son épouse. Et les mêmes jurons que prononçait son épouse à son encontre ont été répétés par Dame Kéou, qu'il a vu plus tard, très loin. Il a tué Dame Kéou par transfert. Il croyait être en face de son épouse. D'accord. Ce qu'il a ressenti n'est pas l'événement, mais c'est l'interprétation qu'il fait de l'événement suite aux difficultés qu'il avait eues précédemment. D'accord. Voilà comment fonctionnent les émotions. Donc les émotions ne naissent pas ex nihilo, les émotions sont attachées à un événement, mais
il faudra une interprétation de l'événement pour ressentir de la joie, de la peur, de la tristesse ou encore de la colère. Pourquoi il est important de savoir maîtriser ses émotions, ou je dirais mieux gérer ses émotions? La gestion de ses émotions est capitale. Autrement, deviendrons des marionnettes. Il est capital de maîtriser ses émotions parce que tout à l'heure, une peur peut vous faire trembler et perdre lors d'un recrutement. Tout à l'heure, trop de joie peut vous amener à être confronté à quelqu'un de déséquilibré. Tout à l'heure, trop de colère, par exemple, dans une situation à la maison ou en face de votre épouse, peut vous amener à commettre un crime. Mais également, une tristesse peut vous amener à rendre une fête ou un environnement de fête, un environnement festif invivable. Il faut donc comprendre que les émotions, à mesure qu'on les éprouve, sont d'abord normales. D'accord. Toute émotion est normale et vient régler un problème. C'est juste le temps que dure l'émotion qui entraîne une perturbation. Donc, si vous contactez madame là, tout de suite, alors que vous devez me joindre au téléphone, que vous n'avez plus votre téléphone sous la main, oui, c'est normal que vous ressentiez quoi? De la peur peut-être, être stressé, peur, colère et tout ce qui va avec. Voilà. Dès que vous ressentez que vous n'avez plus votre téléphone sous la main, vous ressentez de la tristesse. La tristesse parce que vous avez peur de ne pas pouvoir me joindre, vous avez peur que l'émission se passe mal, mais cette tristesse dévoile une perte. Ça veut dire que vous avez éprouvé une tristesse suite à la perte. C'est normal. Maintenant, l'émotion passe. Vous comprenez? Oui. Et après l'émotion, alors que tout a déjà raté, vous n'avez pas pu atteindre l'objectif, vous passez une semaine à penser au fait que vous avez perdu un téléphone sur une émission alors que vous étiez prêt à appeler le spécialiste. Et vous ajoutez donc à cette tristesse, vous dites, c'est comme ça que cela m'arrive. J'ai toujours perdu les choses au dernier moment. Je suis quelqu'un qui perd tout. Et vous commencez par ruminer. Et vous dites que votre vie est même une perte. Et vous pensez à vos échecs. Vous plongez progressivement, vous trouvez au cœur de la dépression. C'est ça. Inactif pendant quelques semaines et après deux semaines, vous faites tous les symptômes de la dépression. L'émotion de la tristesse en soi que vous avez ressenti au début était normale. Mais le processus que vous avez subi peut détruire toute votre vie. Ça veut dire que je retiens que toute émotion est normale. Si je n'ai pas peur de rien, je ne vais pas fuir me protéger. Oui. La tristesse annonce quelque chose, signale quelque chose. Mais le temps que dure l'émotion, où je n'arrive pas à gérer et mettre fin, peut détruire ma vie et la vie autour de moi. C'est ça. Voilà pourquoi il faut se rendre compte de l'émotion et gérer l'émotion. D'accord. Comment mieux gérer l'émotion selon vous, les psychologues? Gérer une émotion renvoie à plusieurs étapes. Ceux qui gèrent une émotion sont avant tout ceux qui sont capables de nommer l'émotion. Vous suivez ce que j'ai dit? Oui. J'ai fait une allégorie en retournant à l'auteur qu'on appelle Daniel Goleman, qui a écrit un livre magnifique qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il explique rapidement pourquoi les femmes arrivent à estimer leurs émotions et les hommes non. Vous me suivez? Oui, 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 allez-y, monsieur Envo. En fait, Goleman explique que lorsqu'un enfant pleure et court à la maison, si l'enfant est une fille,
qu'est-ce qu'on lui fait? On l'amène simplement à exprimer ses émotions. Si c'est une fille, on lui dit, bien, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu ressens? Qui t'a fait cela? Oui. Et quand il est dit, maintenant, on lui dit, qu'est-ce que tu ressens? Tout au long de sa croissance en famille, dans son entourage, on écoute la fille exprimer ses émotions. C'est ça. Cela lui apprend à nommer ses émotions. Au contraire, chez le garçon, on l'amène plutôt à contenir son émotion. Mais écoute, tu es un garçon, mais comporte-toi bien. Un garçon, ça ne pleure pas, ça ne pleurniche pas. Un garçon, ça ne pleurniche pas. Or, une émotion qu'on essaie de compresser va toujours apparaître soit par l'agressivité, soit par une maladie psychosomatique. Donc un enfant peut commencer à faire une fièvre dont on ne connaît pas l'origine parce qu'on n'a pas accepté l'une de ses émotions. Et à son âge, ne pas accepter son émotion, ce n'est pas l'accepter. Je reviens donc à Goldman pour dire, dans l'environnement familial, très tôt, on a apprêté la fille à exprimer ses émotions, donc elle sait par conséquent nommer ses émotions. Quand elle va grandir, elle sera prompte à bavarder. Elle sera prompte à dire ses émotions. Quand le garçon sera renfermé et ne sera pas toujours exprimé à juste ses émotions, il en souffrira. La première étape pour gérer ses émotions, c'est parvenir à nommer son émotion. D'accord. La deuxième étape pour gérer ses émotions, c'est attribuer un sens et faire confiance que chaque émotion agit dans notre intérêt. La troisième étape, c'est agir, adopter de nouveaux comportements, trouver des options pour endiguer l'émotion. Okay. Maintenant, lorsque vous êtes en face de l'émotion tout de suite, et ça semble vous paralyser comme le processus d'un stress, vous pouvez procéder à une relaxation. Et les psychologues sont bien outillés pour pratiquer l'exercice de la relaxation. Si vous donnez là, je peux vous donner trois astuces. Allez-y, très rapidement. 1. Vous ressentez une émotion qui semble de vous paralyser. Vous pouvez croiser les bras. Croiser les bras. Les bras, d'accord, comme de ça. Façon oui. À obtenir un papillon. Papillon de sorte que la paume de l'autre bras touche l'autre bras. D'accord. Pendant ce temps que vous ressentez cette émotion et que vous avez croisé les bras, vous pouvez vous donner des coups de paume sur chaque bras. Okay. Vous suivez? Oui, oui, oui. Vous pouvez pratiquer ce que je fais là, je dis là pour mes téléspectateurs. Oui. Vous mettez, vous croisez vos deux bras. C'est bon? Oui, oui. Et vous tapez sur vos deux bras. D'accord. En fait, vous commencez pas à sentir que vous avez une grande peur. Vous commencez à tapoter, peut-être à compter. Vous commencez à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 20. D'accord. Vous allez sentir un peu de calme. Ok. Deuxième étape, vous pouvez vous sentir sur terre. C'est-à-dire, vous êtes debout. Oui. Et vous commencez par sentir le sol. Vous sentez vos jambes toucher le sol, vos pieds toucher le sol. Et vous expérimentez la présence sous vous du sol. D'accord. La troisième étape, qui peut être plus facile, vous pensez au jour de votre mariage. D'accord. Si on imagine que ce jour a été un jour heureux. Voilà. Vous pensez à un compagnon. Vous pensez à un événement heureux. Vous pensez à n'importe quel événement heureux, la naissance de votre enfant. D'accord. Vous pensez à une émission que vous avez réussi et tout le monde vous appelle de partout pour dire waouh, c'est toi. Vous vous logez dans cette émotion-là qui vous fait vivre quelque chose d'agréable. D'accord. Pendant ce temps, la peur et tout le processus qui enchaîne les émotions pour le stress passe et vous vous apaisez. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Onvou, pour tous ces conseils. Et pour ces précisions apportées sur le plateau. Je rappelle que vous êtes psychologue et enseignant et que c'est avec vous que nous avons eu le mot du jour qui parlait de sentiments. Excellente journée à vous, Monsieur Onvou. On part avec la question du jour et on revient dans un instant. À bientôt. Oui. Lorsqu'on parle de gestion des émotions, c'est la manière dont on est en mesure de contrôler ses émotions, ses impulsions naturelles. Gérer ses émotions, c'est savoir d'abord comment se tenir dans la vie active, je pense. C'est là de bien gérer, en fait, de ne pas laisser ses sentiments prendre le dessus. Gérer ses émotions, c'est contrôler. Genre, par exemple, tu es triste, bien, tu es en colère. Arriver à se contrôler dans, tout, bon, dans toutes les circonstances. Il faut gérer ses émotions pour ne pas mal agir des fois. Parce que les émotions nous amènent à réagir sans réfléchir. Déjà, il faut bien gérer ses émotions pour ne pas faire beaucoup de bêtises, pour ne pas être d'abord anxieux, pour ne pas avoir des déceptions, pour ne pas en fait, se faire du mal à soi-même. Les conséquences sont souvent dramatiques parce que lorsqu'on ne contrôle pas ses émotions, souvent on est en colère, on commet des actes qu'on regrette par la suite. Ces actes peuvent être violents et ça ne. Il n'y a pas souvent une bonne action qui en découle des émotions de colère. Lorsqu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, je vais prendre l'exemple de la tristesse. Lorsqu'on est triste, si tu n'arrives pas à gérer ta tristesse, tu peux faire une dépression. Ah là, c'est fâcheux, ça a beaucoup de conséquences. Ça a assez de répercussions. Il faut contrôler ses émotions en restant calme. D'abord, quand tu es en colère, le mieux à faire, c'est d'être silencieux, de rester calme et de ne rien faire du tout pour ne pas regretter par la suite. Toutefois, je pense que pour contrôler la colère, il faut d'abord travailler sur soi-même, ses émotions, avant d'aller voir un spécialiste si ça ne va toujours pas. Pour que ce spécialiste-là te dirige et te dise quoi faire. On n'a pas besoin de consulter des gens, des psychologues pour des trucs de dépression. On peut gérer ça soi-même. Voir. Les parents aussi jouent un rôle pour ça. Pour les conseils. Voir des grandes personnes, leur demander, mais quand vous êtes dans tel cas, vous faites quoi? Et là, on saura, la personne saura comment faire. Ceux qui sont religieux peuvent aller voir leur pasteur, vous comprenez, pour les émotions. Mais ça dépend des cas, c'est des situations. Si c'est une situation en amour, tout ça, il faut aller voir les parents. Bon, si tu parles bien avec ta mère, tout ça, tu peux aller voir ta daronne, parler des émotions, bon, tout et tout. Quand tu me vois, j'allume un instrumental. Et puis je déverse ma colère quoi. Et je fais du rap quoi, parce que là, je me sens bien. Merci à Vanoli Olibé et Joyce Monda pour cet élément. Coach, vous avez suivi quelques citoyens qui se sont prononcés sur la gestion des émotions. Oui. Réaction, qu'est-ce que vous avez retenu parce que vous avez fait beaucoup de commentaires à la nuit. C'est le dernier intervenant qui m'a fait un effet. Oui, il a juste dit que lui déverse sa colère et puis après il se sent bien. Le tout ne suffit pas de déverser sa colère. Parce qu'il faut penser à l'après-déversement de la colère. Le problème, c'est que quand l'acte est posé, quand la réaction est faite, il y a après des conséquences. Parce que la personne que vous avez en face de vous, sur qui vous déversez votre colère, vous devez vous attendre à une réaction
de sa part. Et si cette personne devait réagir comme vous et se mettre à déverser aussi sa colère, je pense qu'il y aurait le drame qui va suivre. Inévitable. Inévitable d'ailleurs. Parce que quand on est en colère, on ne se contrôle plus. Ça part dans tous les sens. Très vite. Et on ne se maîtrise pas et on peut commettre l'irréparable. Il a dit parfois qu'il écoute la musique ou il joue la musique pour pouvoir se maîtriser. Oui. Ça aussi, c'est une bonne attitude. Parce que la musique adoucit les mœurs. Et c'est ce que moi, je fais d'ailleurs. Quand je sens qu'on veut me stresser, j'écoute la bonne musique. Et je laisse passer. Oui. Je me dis, bon, si la personne doit continuer à rester dans son état de colérique, qu'elle gère sa colère toute seule. Ça n'engage que lui. Ça n'engage qu'elle. Et moi, je suis dans mon bain, je suis dans mon enjaillement, et la vie continue. C'est si facile que ça, coach Souliada. Oui. C'est un travail qu'on fait sur soi. C'est un travail qu'on fait seul ou bien accompagné. Comme ça a été dit par certains des personnes qui ont été interrogées. C'est pour dire simplement que, en fait, nous avons tous la maîtrise de soi. Nous avons la maîtrise de soi, c'est en nous. Les émotions viennent interroger cette maîtrise de soi, à quel niveau elle est. On peut la travailler jusqu'à arriver à un niveau de maîtrise de soi qui nous permet, face à n'importe quelle situation, d'être proactif. Parce que la plupart du temps, nous sommes réactifs. Nous sommes dans la réaction par rapport à ce que nous avons comme situation. Quand on arrive à maîtriser, à se maîtriser, à avoir la maîtrise de soi, on devient proactif, c'est-à-dire on se demande soi-même quelle est la meilleure attitude à adopter face à cette situation. Qu'est-ce que j'en fais? Bref, si vous comprenez vos émotions, si vous apprenez à avoir la maîtrise de soi, la gestion des émotions devient facile. Monsieur Esquil, est-ce qu'il y a une intervenante qui a dit qu'on n'a pas besoin de consulter un spécialiste pour pouvoir gérer ses émotions? La dépression. Oui. Non, mais c'est sûrement suite à ses propres expériences. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin d'aide de l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique. Ils ne peuvent pas gérer les crises, ils ne peuvent pas gérer les émotions. Seul. Non, ils ont besoin de quelqu'un. Écoutez, une jeune fille qui, suite à une déception amoureuse, coule les larmes. Vous allez voir, quand vous rapprochez d'elle, vous dites, mais écoute, c'est bon, ça va aller, calme-toi, tu vas trouver mieux que ça. Elle se sent soulagée. Elle se dit, mais j'ai trouvé un réconfort. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cette capacité psychologique pour pouvoir se maîtriser, pour pouvoir, se canaliser. Il faut une aide venant de l'extérieur pouvant les canaliser. Donc, certaines personnes ont besoin, n'est-ce pas, d'un apport extérieur. Certaines personnes ont besoin de quelqu'un qui, nécessairement, qui sûrement a vécu aussi la situation. Peut-être qu'il y a aussi vécu l'expérience. Qui a eu l'expérience. Qui te dit, mais écoute, tu sais, j'avais vécu ça. Hein. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puisque vous savez, l'expérience nous forme mieux que les conseils. Donc, on en a besoin. Si vous ne pouvez pas vous surmonter, si vous ne vous connaissez pas, vous référez-vous à quelqu'un qui est du domaine et c'est sûr que vous allez vous en sortir. En dehors, n'est-ce pas, des solutions qu'a cité, n'est-ce pas, le psychologue, oui. Il y a d'autres solutions. Moi, j'en joue deux pour dire la première chose, est-ce que nous avons le temps de vivre le silence? Non, nous n'avons pas le temps de vivre le silence. Nous sommes toujours dans le bruit, on va au boulot, on revient, et c'est le quotidien, la même chose, la routine, la répétition, ça tue l'esprit. Il faut changer les choses, il faut trouver toujours, en une semaine, trouver toujours une heure de silence, quitter le cadre habituel et aller quelque part vivre le silence. Je vais donner seul exemple. Demandez à ceux qui ont l'habitude de quitter Cotonou les week-ends, les vendredis soirs, ils vont dans les zones de Tori, de Calavi, loin. Vous allez voir, dites-leur, quand vous revenez, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a toujours quelque chose que vous gagnez lorsque vous vivez le silence, lorsque vous contemplez votre âme, vous êtes en harmonie avec votre âme, il y a toujours quelque chose que vous gagnez.
Donc, demandons à nos téléspectateurs de vivre le silence, de trouver des créneaux pour vivre le silence, aimer le silence. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et pour finir, le sport aussi peut corriger beaucoup de choses. Alors, nous invitons, ne pas parce que je suis coach de fitness. Je vous allais passer après au service commercial. Pardon? Je vais m'abonner. Vous allez passer au service commercial. Le sport corrige beaucoup de choses. Oui. Je prends mon exemple, j'étais vraiment colérique. Oui, j'étais nerveux officiel. Oui, un nerveux officiel, ça je le reconnais. Mais je vous assure qu'avec le temps, le sport corrige beaucoup de choses. Oui. La colère, comment on appelle, l'énervosité. Donc, je demande aux téléspectateurs de s'y donner peu en matière, en dehors de la santé que ça procure. Mm. Ça corrige beaucoup de choses. Vous avez un mental high, comme l'a dit madame. Mm. Vous êtes au top niveau. Quel que soit le vent, vous ne bougez pas. Voilà. Est-ce qu'il, pas ou moins, je suppose que ce sera, pardon, votre mot de fin pour votre participation à cette discussion. Mais avant de vous raccompagner, Émeric va se prononcer sur l'élément qui est passé. Je crois que chaque téléspectateur a dit ce qu'il pense de la gestion des émotions. Je crois que chacun parle en fonction de ses expériences. Vous savez, mais quand vous n'avez jamais fait l'expérience des émotions, vous ne pouvez pas en parler comme cela se doit. Donc, je crois que tous les intervenants dans la voix ont dit ce qu'ils pensent de la gestion des émotions. Il y a d'autres qui ont donné quand même leurs astuces. Mm. Je crois que les astuces varient d'une personne à une autre. Hein. Je crois que moi, quand je me mets en collège, je n'ai pas besoin forcément d'écouter de la musique. Oui, comment vous y prenez? Quand je me mets en collège, je me retire. Je me retire, je peux aller me promener, me distraire. Voilà. Quitter le cadre. Quand c'est votre chef qui vous met en colère, est-ce que vous pouvez sortir alors qu'il continue de est-ce parler? Est-ce que l'objectif d'un chef, c'est de mettre ses employés en colère? En tout cas. D'accord, merci Émeric. Nous allons raccompagner Eskil Kwazoumé en musique pour installer Nafissa Touassani. Vous avez du mal à sortir vos émotions ou du mal à les gérer. Nafissa Touassani, déjà installée sur ce plateau, pour nous dire ce que vous en pensez. Bonjour amis téléspectateurs, Alilat, bonjour. Bonjour. J'arrive à gérer mes émotions. D'accord. Ça peut aller. Okay. Nous allons poursuivre avec les messages. Nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Gloria. Ma colère, surtout envers mes frères, je n'arrive pas à gérer, même s'ils ne sont pas la cause de ce que j'ai. Après avoir fini de vociférer, je prends patience maintenant et je veux demander pardon. Elle n'arrive pas à maîtriser la colère. Pas du tout. Il y a Hanif qui dit « Bonjour le plateau, l'émotion que je n'arrive pas à maîtriser est la joie. Du coup, je m'explose. Agréable journée à vous. » Il y a Erika qui nous dit « La joie comme la colère. Quand je suis en joie, ça se sent immédiatement. Et quand je suis en colère, tout mon entourage y goûte, même s'il ne m'en rien fait. » Coach Souli Adam, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce message? Ben, je dirais que on parle ici d'émotion. Et donc, tout le temps sur le plateau, il a été dit que l'objectif, c'est d'arriver à la maîtrise de soi. Oui. Pas maîtriser les émotions, mais se maîtriser soi-même. Contrôler la réaction qu'on a par rapport à ce qu'on ressent. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la dépression. Une des téléspectatrices, une des intervenantes a dit que quand on est dans la dépression, on peut gérer seul. Absolument non. La dépression est quelque chose de tellement intense qui peut vous conduire directement au suicide. Quand on est dans la dépression, on a besoin d'aide. Une tristesse qui dure une journée, deux journées, trois journées, même si la cause au départ est normale, quand la tristesse commence à durer dans le temps et que vous n'arrivez plus à ressentir autre chose, il est important de demander de l'aide. C'est absolument nécessaire. Seul, on n'y arrivera pas. Parce que vos pensées qui ont été nourries pendant des jours par cette tristesse, par cette émotion négative, vont commencer à
vous laisser dans un état végétatif dans lequel vous ne serez plus capable de prendre les bonnes résolutions, de trouver la solution. Vous n'en êtes plus capable. Donc, quand il y a dépression, il y a besoin d'aide. Et c'est important de recourir à une personne ressource, un spécialiste qui pourra vous aider à sortir de cette dépression. Émeric, sur ce message. Je crois qu'il y a un de nos téléspectateurs qui a dit tout à l'heure que l'émotion qui n'arrive pas à gérer, c'est la joie. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, vous savez, toute émotion mal gérée peut vous nuire. Et puis la joie fait partie de ces émotions-là que si nous n'arrivons pas à contrôler cette joie-là, peut se retourner contre nous et peut se transformer en une émotion de tristesse. Donc je crois qu'il a dit, quand il est joyeux, il s'explose. Voilà, il s'explose, mais cette explosion peut dégénérer. Peut causer d'autres dommages. Donc il faut savoir... Même si vous êtes en joie, même si vous êtes joyeux, positive, il faut quand même savoir se contenir, il faut être modéré, il faut prendre de la hauteur pour pouvoir bénéficier des avantages de cette joie-là. D'accord. On fait ça tout. Il y a Coriane qui nous dit que l'émotion qu'elle n'arrive pas à gérer, c'est la peur, parce qu'elle me domine tout le temps. Il y a Osnel qui nous dit que c'est la jalousie. Je ne saurais le dire. Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser cette émotion-là. Que tu avais dit, la peur, la colère, la jalousie. Wow. J'ai entendu une dire tout à l'heure que quand elle est en colère, c'est tout son environnement qui goûte. La question que je me pose, mais l'environnement a quoi à voir dans sa colère à elle? Il faudrait que nos actes ne portent pas préjudice aux autres. La manifestation dans la gestion de nos émotions ne doit pas nous amener à porter préjudice à ceux qui nous entourent. Une chose est de gérer son émotion, une autre est de pouvoir la canaliser et bien la gérer. Maintenant, en parlant de la peur et de la jalousie, je dirais que c'est des émotions normales. C'est normal d'avoir peur. Tout autre d'ailleurs. Quand vous êtes confronté à une certaine situation où la peur doit se manifester, c'est tout à fait normal. Mais cette peur-là qui devient destructrice et qui vous empêche même de déployer tout le potentiel que vous avez en vous, cette peur-là qui vous limite et qui fait que vous n'arrivez même pas à entreprendre, vous n'arrivez pas à prendre des décisions qu'il faut, au temps opportun, cette peur, il faut pouvoir arriver à travailler sur soi-même pour être vraiment libéré de cette peur. Quant à la jalousie, elle est plus destructrice que la peur. Pourquoi? Parce que nous avons vu des couples voler en éclats, des enfants laissés pour compte, des familles qui ont été complètement détruite parce que l'un des conjoints ou l'un des partenaires n'a pas pu maîtriser sa jalousie. Et sur ce point-là, je voudrais insister. Il y a la jalousie positive et il y a la jalousie négative. La jalousie qui naît, par exemple, entre les frères et sœurs qui sont soit peut-être issus de la même mère ou du même père ou des frères consanguins. C'est une jalousie tout à fait normale. Pourquoi? Parce que les parents que nous sommes, à des moments donnés, nous n'arrivons pas à gérer les enfants comme cela se doit dans la manifestation de l'amour que nous donnons à chacun d'entre eux. Et ça, c'est un travail qu'il faut pouvoir faire à la base. En tant que parents, dans nos maisons, il faudrait qu'on arrive à manifester l'amour envers nos enfants de manière à ne pas faire penser à l'autre que l'autre est plus important que son frère ou sa sœur. Parce que quand ça commence comme ça, les guéguerres commencent par naître. Et la personne grandit avec ce sentiment-là de rejet.
la personne grandit avec le sentiment de rejet, avec le sentiment d'être méprisée. Et ça d'été après, à la longue, que ce soit dans sa vie sociale, que ce soit dans sa vie maritale, que ce soit dans sa vie professionnelle, ça d'été sur le caractère de la personne à tous les niveaux. Et ça fait qu'elle n'arrive pas à contrôler ses émotions quand elle se retrouve face à des situations où elle se sent lésée, où elle se sent ne pas être aimée, où elle se sent méprisée. Donc, ça s'impose à nous de pouvoir véritablement s'y pencher, y travailler pour éviter tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans nos sociétés. La maîtrise de la jalousie est également importante quand on prend aujourd'hui les cas d'empoisonnement qu'on lit sur les réseaux sociaux où les amis s'empoisonnent, où on empoisonne son ami, son frère, sa famille. Et Nafissatou. Nous allons poursuivre avec le message de Sarah, qui n'arrive pas à maîtriser le stress et la peur à cause des pressions et le fait d'avoir beaucoup de choses à régler à la fois. Il y a Adèle qui nous dit que ce qui n'arrive pas à maîtriser, c'est sa colère. Et cette dernière provient souvent d'une situation qu'il a eu déjà à gérer. Donc, c'est quand ça persiste qu'il n'arrive plus à gérer sa colère. Une joie qui découle d'un objectif atteint. Donc, quand cet objectif se réalise, je n'arrive pas à maîtriser ma joie, ce qui me permet de me défouler un peu partout. On est touché, même pour rien, on voit tout le monde, on sourit. Cela nous permet d'être bien. Il y a un message anonyme. L'émotion mal contrôlée rattrape toujours et ça fait très mal. J'en ai été victime. On aurait aimé que l'anonyme nous raconte un peu comment ça s'est passé. Il y a Daniel qui nous dit que l'aspect relationnel de notre vie est important. En effet, il peut s'agir des relations que nous entretenions avec des proches, en famille, en amour ou aussi au travail ou dans les lieux publics. Une autre relation qui est selon moi très importante est la relation que l'on entretient en soi. Dans toutes ces situations, nous devons faire face à des émotions. Personnellement, j'ai appris à prendre du recul sur ma manière de réagir face à certaines situations. La marge de progression est encore grande. Elle est infinie. C'est ça qui est bien. Mais j'ai compris que réagir sous l'emprise d'une vive émotion peut être destructeur dans une relation. Je pense à la colère, par exemple. Les émotions font la beauté de nos relations, mais aussi leur danger. Bien gérer ces émotions permet d'entretenir de meilleures relations. Coach Liadam. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien gérer ses émotions permet d'entretenir de meilleures relations. Et pour bien gérer ses émotions, il faut apprendre à communiquer. C'est ce que je voudrais dire à nos téléspectateurs. Il est important, comme j'ai dit au départ, d'écouter l'émotion, de savoir ce qu'elle veut nous transmettre comme message. Et si l'émotion qui est suscité en nous par rapport à l'événement est disproportionné. Je ne parle pas ici de la relation, de la réaction. Oui. Par exemple, une peur panique dès qu'il y a du noir ou avoir un sentiment incontrôlable de jalousie vis-à-vis de son conjoint alors qu'il n'y a rien qui vous pousse à être jaloux, etc. Quand les émotions sont disproportionnées ou sont, je vais dire, anormales, il faut aller faire un travail de guérison intérieure qui est très, très important pour avoir une vie épanouie. Et quand on n'a pas une vie épanouie, on ne peut pas s'accomplir. Donc, le vrai travail à faire dans une société comme la nôtre, où on doit passer notre vie à être hypocrite, à comprimer ce que nous ressentons, c'est apprendre à être vrai, à écouter nos émotions, à prendre le temps de bien les comprendre pour pouvoir les communiquer à l'autre. Et communiquer, comme j'ai l'habitude de dire, c'est de partir du jeu, de votre ressenti intérieur, de vous, pas de l'autre. Tu m'as fait, tu m'as dit non. J'ai ressenti par rapport à ce qui s'est produit
telle émotion, je n'ai pas aimé, je l'ai ressenti comme ceci. Et la personne aura la possibilité de vous expliquer. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les émotions rester là et devenir une bombe qui un jour va exploser au mauvais moment. Et beaucoup de personnes ne savent pas que les émotions non gérées intérieurement ou dans un espace privé, c'est en public que vous allez les exposer et c'est là où vous allez peut-être, je vais dire, tomber de votre piédestal parce que la plupart du temps, ça va s'accumuler et à un moment donné, au moment totalement inopportun, ça va exploser et ça risque de détruire ou une vie ou une carrière, etc., etc. Vous pourrez très mal parler à votre responsable hiérarchique simplement parce que pendant longtemps vous avez retenu ce que vous ressentiez. Voilà, au lieu d'aller simplement lui dire ce que vous ressentez, s'il n'est pas ouvert, il est important pour vous de partir de là parce que c'est important de ne pas accumuler les émotions négatives. Donc, le jour où vous allez exploser, vous pouvez lui donner un point et vous retrouver en prison, etc. etc. Donc, c'est important d'écouter les émotions, d'écouter leurs messages, de guérir s'il faut guérir, de les exprimer tout en étant dans la maîtrise de soi. C'est merci important. Merci beaucoup, coach. Le dernier message nous vient de Gabriel Adam. C'est normal de ressentir des émotions. C'est d'ailleurs signe de bonne santé. Il existe des pathologies qui nous rendent insensibles. Le fait de vivre une émotion est normal et il ne faut pas en avoir peur ou l'éviter. Ainsi, lorsque l'on a identifié l'émotion, nous pouvons l'accueillir et l'accepter. L'émotion est un mécanisme que la vie met en place pour nous aider à répondre à nos besoins profonds. De ce fait, les émotions, même désagréables, sont là pour nous aider. C'est à nous de bien les traiter selon leur nature pour en tirer profit. Par exemple, si je ressens de la peur, alors que je vais me préparer et renforcer mon besoin de clarté et de sécurité. Accueillir les émotions qui nous sont agréables est toujours plus simple, mais il faut aussi savoir le faire pour celles qui nous mettent dans des positions inconfortables. Bien gérer ces émotions demande de savoir les accepter. Les émotions sont des occasions de grandir. Ce sont des opportunités et non pas des problèmes. C'est à nous d'apprendre à cohabiter avec et de les vivre plutôt que de les subir. Bien gérer ses émotions, c'est avant tout élever son niveau de conscience et prendre en considération l'ensemble de son être, plan physique, mental, émotionnel, spirituel. Ainsi, nous sommes des êtres émotionnels et les émotions que nous exprimons nous rendent vivants. Il peut être désagréable de vivre certaines émotions, mais nous sommes responsables de la manière dont nous les gérons. La bonne nouvelle est que nous pouvons développer notre intelligence émotionnelle et notre capacité à gérer nos émotions. En effet, cela passe notamment par le fait de s'écouter et d'être attentif à ce que l'on ressent et à comment on le manifeste. Bien gérer ses émotions est une compétence clé à développer et à entretenir pour réussir dans les différents aspects de la vie. Wow. Merci à Gabriel Adamo pour ce long message, coach Amélie. Merci. Je penche dans le même sens que Gabriela. Gabriel. Mais je vais ajouter ceci. Vous savez, tous les problèmes de l'homme naissent quand il commence par se sentir rejeté. Il commence par avoir l'impression de ne pas être aimé. Et c'est pourquoi je voudrais ajouter que pour moi, le plus grand remède, la plus belle manière de savoir gérer ses émotions, c'est de s'aimer soi-même véritablement. D'accord. Quand vous avez appris à vous aimer véritablement,
ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pouvez manifester vraiment de l'amour envers les autres. Quand vous ne vous aimez pas en tant que personne physique, quand tout en vous vous dégoûte, quand vous n'aimez pas votre personnalité, quand vous voulez ressembler aux autres, quand vous ne voulez pas être vous-même, quand vous ne voulez pas manifester votre originalité, et vous pensez que parce que l'autre a ci, parce que l'autre a ça, parce que l'autre est comme ça, parce que l'autre est grand, il est beau, il est mince, il est obèse, c'est ça. Et vous, vous n'avez pas tout ça, vous passez à côté. Et c'est là que ça, c'est là que commencent les chocs émotionnels. Parce que, en fait, vous voulez paraître au lieu d'être. D'accord. Et quand vous vous aimez véritablement, parce que si vous vous aimez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, vous ne le ferez pas aux autres. Aux autres, oui, en effet. Ceux-là qui prennent plaisir à provoquer des chocs émotionnels chez les autres, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à développer l'amour personnel. D'accord. Et ça rejaillit de l'extérieur pour détruire ce qu'ils ont dans leur environnement. Donc, il faut s'aimer pour pouvoir communiquer de l'amour aux autres. Et je vais ajouter ceci. Il faut avoir aussi la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous savez que vous avez des limites. Vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire à son prochain. Vous savez que tout ce que vous faites sur cette terre vous retourne. Vous avez l'effet boomerang. Et quand vous savez que tel acte que vous posez, il y aura des conséquences à la longue, vous connaissez vos limites et vous vous dites qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout, qui gouverne toutes choses. Et que cet être suprême qui détient le souffle de tout un chacun de nous, quand lui se lève, rien ne peut lui résister. D'accord, on a fait donc, ça tout. Il faut développer aussi cette crainte de Dieu pour pouvoir être en mesure de ne pas être l'objet du choc émotionnel d'autres personnes pour son environnement. D'accord. Merci. Nous allons poursuivre avec la pensée de ce matin qui nous vient de Oscar Wilde. L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. D'accord. Madame Coach Souliadam. Oui, l'émotion nous égare. Si nous sommes réactifs, si nous sommes dans la réaction, l'émotion peut nous égarer. Et donc, pour ne pas laisser l'émotion nous égarer, il est important d'avoir la maîtrise de soi. Et quand on a la maîtrise de soi, on peut, sur le coup, être proactif pour ensuite écouter l'émotion, écouter ce qu'elle veut nous transmettre, écouter ce qu'elle veut nous dire et nous laisser conduire positivement par cette émotion. Comme j'ai dit au départ, nous sommes des êtres humains. Et l'humain est déterminé par ce qu'il ressent, par les émotions. Celui qui ne ressent plus d'émotions n'est plus humain. Nous devons être capables d'empathie, nous devons être capables de compassion, nous devons être capables d'amour, nous devons être capables de paix, de joie, de peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous allez affronter des situations que vous ne devriez pas affronter. La meilleure tactique devant la peur, c'est comment est-ce qu'on réagit. Si c'est une réelle situation où vous êtes en danger, il faut fuir, d'accord, etc. etc. Sans ça, vous ne vous en sortirez pas. Il faut retenir que l'auteur est un écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais né à Dublin le 16 octobre 1854. Nous allons poursuivre avec quelques notes d'humour. Allez-y très rapidement. Moi, je n'ai pas peur de la fin du monde. J'ai plutôt peur de la fin du mois. D'accord. Il y a un autre qui nous dit, si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Si j'avais des millions, je serais millionnaire. Mais je n'ai que des centimes. Alors, je suis sentimentale. Il est sentimental. Merci, Nafisa Touassani. Pardon. Merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion. Émeric Okupeli, Fidèle Ranvou, psychologue. Gladys Aguégué, Soulé Adam, communicatrice et spécialiste en leadership féminin. Esquil Kwazoumé, journaliste et coach sportif. Et nous avons eu également Amédée Kwazé Atolou, coach vice-présidente de la Fédération africaine de coaching
au Bénin. Vous l'avez compris, les émotions sont normales. Il est possible de bien gérer ses émotions, s'écouter, accepter ses émotions. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec une autre équipe et avec le même plaisir.